C'est avec même plaisir nous rentrer là quand on a la 2e édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui pourraient dominer l'actualité. Député Mir Balay, Boukran Karia, Décolline Abel, dit déplorer incident qui est produit week-end passé à côté de Nekaxam. Personne pas arrivé identifié, attaqué agent douanier avec agent PNHO en Belader. Parlementaire a dit tout les déplorer. Intervention force audio, fait en population zone à côté. Incident produit à sous prétexte et au même qui est à la base. Incident ça, Décolline Abel qui mandait pour qu'on l'enquête qui l'ouvrit. Sous drame, ça fait qu'on est. Population pas gagné pour AXA qui produit. Week-end passé, à qui la cause gagne plusieurs victimes dans les camps policiers et agents douaniers. Maslin Jean-Philippe Josette Jean-Dor, sollicite deux personnalités. Monde syndical haïtien a confirmé les déjà désigné pour le représenter dans le cadre de formation prochain KEPA selon porte-parole monde syndical haïtien Jacques Anderson de Roche. Alors que pour le secteur vaudois, c'est Jean-Richard Joseph et Primambo, la merci Charles-Pierre selon dirigeant Confédération National Vaudouisan Haïtien Evroni Georges Auguste. Sénateur Lati Bonif Lankal Murakantav dénoncé sécheresse de déclarer Cap Valley terrain en mi-temps. Population Lati Bonif Lankal, sénateur Karl Murakantav, mandé pour l'État haïtien prend bon genre disposition pour aider population Lati Bonif Lankal fait échec à phénomène sécheresse. Dans le pays de Bordeaux, président américain Barack Obama annoncé yo fermé prison Guantanamo, selon le président Barack Obama, depuis plusieurs années, prison pas joué rôle comme ça doit, dans sa qui rapport à renforcement sécurité nationale. Tout côté, yeah. Il y bon tout côté. Oh, Maes, le aguette a passé sous nous par sa papa. Oh, oh, bon bon cadeau, bon achat la bode. Ni moins tout. On lague. Toujours sentiment sécurité, grâce à Unibank tout côté. Galetti, capam nan pour m'acheter, parce que Unibank tout côté, nous tout côté, yeah. 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 Unibank tout côté. Maes, ça arrive au contraire comme ça, man. Pas que t'en prends rien, man. Quand ça passe, on met à le faire 4 Unibank tout côté pour là, man. Trust me, word. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus pire. Pour plus d'informations, relez-nous dans 2299-2020. Unibank tout côté. Allô, mami? Allô, titine? Où est-ce que tu as marché, hein? Oui, je suis presque fini, oui. Je suis venu tout à l'heure comme ça. Tu m'as pas d'affaire pour un petit lait pour moi un petit citron. Mami, m'pas comment bien assez cob non, faut me tourner la caille là pour me taper un petit cob après ça m'a tourner venir acheter pour mami. Non 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 non, pas inquiète chérie. Et camper contre hier, m'va voir kounia sur téléphone pour. Ou lié avec mon cash ou ca voyer et puis recevoir l'argent sans qu'elle saute. Ou en nique faire compte mon cash sur téléphone Digicel ou et puis même côté là téléphone n'a vinn boussou. Et puis si vous voulez tout, ou ka passe kayon agent autorisé mon cash pour retirer l'argent sous compte ou ak yon carte d'identité. Bay numéro téléphone ou ak quantité l'argent ou vle rale sous compte mon cash ou. Anik fait étoile 202 dièse ou soit rele nan 202 sous Digicel pour ka voye l'argent bay moun ou vle, lè ou vle n'importe côté, pi facile, pi rapide. Mon cash, moyen pi pratique pour voye ak recevoir l'argent. Député Mir Balay, Boukran Karia, Décolline Abel dit les déplorer incident qui produit week-end passé à côté de Nekaxam. Personne n'a pas réveillé identifié attaqué agent douanier avec PNHO dans Baradère. Parlementaire a dit tout les déplorer intervention force l'audio fait dans mi-temps. Population zone côté incident et produit à sous prétexte au même qui est à la base incident ça. Selon député Abel Décolline qui mandé pour une enquête qui l'ouvre sous drame ça fait qu'on est. Population Beladia pas gagné pour exact ça qui la cause gain plusieurs victimes dans camp policier ak agent douanier Abel Décolline t'a porté plus précision dans micro collaborateur nous Jean-Sony Lemay. Non l'autre département et qui vinn exécuter dans Mir Balay. En clair, c'est de moun agent douanier et de l'autre moun qui bien entendu dans question contrebande donc bon affrontement en deux camps, mais comme étant donné douane dans ces Belader et chemin qui pour mener à l'autre département, faut qu'il passe par Las Caobas et par Mir Balay, et puis voilà sur la route, bon point
affrontement vin fait. Donc population qui dans zone yo pa gen rien à ouais. Et c'est ça que fait collègue Gershon li dit, faut gon enquête pour déterminer coupable. Parce que au final, yo dit ces populations et la police, agent douanier, yo retourné dans zone côté problème dans rivière pour y brutaliser moun ki dans zone nan, alors que pauvre malheureux sa yo, yo tout simplement victime, mais c'est de moun qui a goumé pour faire de contrebande passer. Ça c'est nous voulons clair sur aspect ça pour pas gagner ambiguïté. Maintenant collègue Gershon dit et nous dit li bon problème qui posé dans douane nan à partir de mesures d'interdiction qui prend pour 23 produits. Nous-mêmes comme députés, nous-mêmes comme citoyens, nous-mêmes comme hommes d'État, nous entièrement d'accord avec décision ça. Tout simplement nous demander pour l'État, le gouvernement, li ouais décision ça dans la mesure où yo dit produit yo doit passer tout simplement par voie aérienne. Or nous connaît à travers douanio gagner tout plusieurs secteurs qui vivent de ça. Moun ki nan transport, moun ka fè commerce. Donc l'État a une responsabilité si c'est davantage de structures pour yon mette, faut que yon mette yon en douane yon. Si c'est davantage de surveillance pour yon mette yon. Mais lorsque yon interdit à ce que produit ça yon, yon passe par voie terrestre. Donc, pendant que l'État li prend mesure pour interdire le produit pour permettre l'industrie locale li travail, c'est très bien. Mais qu'en est-il de moun sa yo qui kon vive de transport et de marchandes qui vivent sous frontière? Donc voilà, nous voulons les questions li claires. L'autre information, Maslin Jean-Philippe Joseph Jean d'Orsely, ces deux personnalités monde syndical haïtien confirmé li déjà désigné pour aller représenter dans la formation prochain KPA. Jacques Anderson de Roche, c'est porte-parole monde syndical haïtien qui t'a porté plus précision dans le micro. Garlène suit avec Marc Henson registre. Monde syndical haïtien qui regroupe de regroupement et groupement syndical qui dans diverses catégories PSE, transport, sous-traitance. L'Assemblée délibérative hier, nous finit par faire choix de deux personnalités crédibles, honnêtes, syndicalistes, juteurs dans le pour aller représenter. Secteur syndical haïtien nan niveau conseil électoral provisoire. De personnalité sa yo, youn se camarade nou Maslin Jean-Philippe qui se secrétaire général FTGNH Fédération Transporteur Grand Nord d'Haïti. L'autre là c'est camarade nou Josette Jean d'Orsely qui se membre de la CTH Confédération des Travail Haïtien. Jodi a son façon pour nous dire toute manœuvre de loyal qui pas grand rien pour la question moralité. Moun ka habitué participer dans droite longue supérieure. Non ap cité dans question van élection. Jean te dit li, te gen route kochi te fait sous administration Matelia. Donc moun sa te rivé dans CPA, Jean tout pays a connait le pa route détourné. Jodi a toute confédération 23 regroupement et confédération syndicale haïtien. Yo chita en don pigosis que les Mossa qui c'est monde syndical haïtien. Pour fixer position, pour nous dire que la communauté nationale la saisi de samedi là, pour nous dire que le président privé saisi de samedi là, c'est une décision que nous prenons dans l'Assemblée délibérative. Donc, la manœuvre qui est faite, pas de faire encore. Les gens qui ne parlent rien pour un syndicat, pas de représenter le secteur syndical haïtien, le monde syndical haïtien, désigne des personnalités crédibles. Une, c'est madame Josette Jean d'Orsely. Syndicaliste, membre de la CTH. L'autre là, c'est camarade nous, Maslin Jean-Philippe, membre CSH, secrétaire général FTGNH, Fédération des Transporteurs Grand Nord d'Haïti. Toujours dossier conseil électoral provisoire, Confédération nationale vaudouisan haïtien yo fait qu'on ait déjà choisi deux personnages qui parlent gagner. Pour représenter le secteur vaudois dans quatre formations prochain KPA, deux personnages saillants, c'est Jean-Richard Joseph et puis Mambo Lamerci Charles-Pierre, selon dirigeant Confédération nationale vaudouisan haïtien, Evroni Georges Auguste, qui t'a porté plus précision en micro,
Radio Télé Éclair. L'autre information, directeur plateforme politique Petite Dessalines confirme qu'il a déjà rencontré le président provisoire dans le cadre de série consultation pour permettre au pays à gagner un prochain gouvernement dans l'intervention de porte-parole plateforme politique Petite Dessalines à Salvol. Si il souhaite personnage qui pourra le gagner pour faire partie du gouvernement, ça c'est monde qui pourra le prendre contre revendication population. À Salvol, si c'est porte-parole plateforme politique Petite Dessalines qui était dans le micro, Radio Télé Éclair. Nous prenons acte que le gouvernement, en dit plutôt que pouvoir, en l'occurrence de M. Jocelyn Brivert, déjà entamé démarche auprès de différents secteurs de la vie nationale là, dans la perspective pour mettre campé sous pied un gouvernement de consensus et ensuite mettre campé un conseil électoral provisoire de consensus et cette fameuse commission de vérification parce que nous dit votre peuple là faut qu'il respecte. Démarche, nous même tout de répondre à des invitations. Nous de faire valoir point de vue nous pas côté président provisoire. Nous te dire très clairement en tant que avant-garde bataille peuple haïtien. Depuis 5 ans, c'est vrai, nous pas désigné moun dans le gouvernement, mais cependant, nous dit tout que nous pas prendre 5 ans bataille nous pour nous mettre les ingrats. Dans ce sens, nous dit très clairement, il faut que nous gagnons moins nous pour nous dire, sous Sila qui parle pour le ministre, avec Sila qui parle le ministre, dictateurs généraux et la trier. Pour nous assurer nous que moun sa yo qui va gagner pour mener bas pays pendant la transition ça, et bien c'est de moun qui semblait qui va ramasser revendication massio, revendication quartier populaire, revendication classe moyenne, en gros revendication peuple haïtien. En même temps, nous voulons pour le président privé connaître que le plus gros ennemi que le gars là, Jodia, c'est le temps. Parce que, dit clair, il s'agit d'une transition avec une mission spéciale de 120 jours, côté que pour délivrer marchandises. Pour information, Bureau Technique Femmes qui gagne la donne plusieurs organisations femmes, tant qu'aux tribunes femmes, femmes voyant dans la politique pour nous dire ça seulement critiquer façon que vous faites connaître, il y a peut-être des femmes, non, ça qui gagne un point avec la politique pays d'Haïti. Coordonnatrice Bureau Technique Femmes, Barbara Guillaume, plaidait en faveur d'intégration femmes dans le gouvernement provisoire qui va le gagner là. Barbara Guillaume, c'est coordonnatrice Bureau Technique Femmes qui t'a porté plus précision dans le micro rôle Olympière avec Muller Baptiste.
Plan d'information, Fédération Syndicat Travailleurs et DHO annoncé pour 26, 27, 28 février, Cap Vinela, 5e congrès national Lyon. Selon dirigeant Fédération Organisation 5e congrès national Sapralion, occasion pour bailler Fédération et l'autre orientation et puis tout, élusion, nouveau comité dans tête li. Jonathan Arécil, c'est secrétaire général Fédération Syndicat Travailleurs et DHO, quitte la micro, Garlins lui avec Marc Henson registre. Cap Vinela, 26, 27, 28. A bien et 5e congrès Festred cap ouvri dans local Le Blazabit pour continuer dans et local ITK Grissier pour nous faire deux journées de travail pour non seulement bay organisation on l'autre orientation et puis élu un nouveau bureau cap gagné pour mener reine organisation. Monsieur Raphaël, c'est directeur général adjoint boîte là, c'était ancien président syndicat. Jodi an qui a fait une bonne mauvaise pratique, une bonne bagaille qui passe en dans boîte là, syndicat a pas décidé continuer porter coller ensemble avec elle. Et pour ça, il a décidé pour faire tout ça qui dépend de lui pour le chavirer syndicat, pour le craser syndicat. Donc nous-mêmes nous dit c'est pas possible, on patron rester dans le patron et puis quitter syndicat faire activité. Monsieur Raphaël, comment dit-il un groupe matin là pour venir dans bureau pour venir craser et bureau qui là pour li ka mette équipe parle pour ka continuer faire mauvais actes gens qu'on a habitué faire déjà. Monsieur Raphaël pendant plusieurs fois réuni avec deux groupes pour assassiner président syndicat Serge Albert, vice-président Marie-Daniel Pierre-Charles et secrétaire général là, secrétaire aux finances là et un ensemble de partisans que nous gagnons. Nous déjà déposons plainte pour lui 27 janvier déjà dans le parquet, comme c'est grand commis de l'État, le parquet n'a pas occupé nous. Et maintenant, nous voyons qui s'est passé là déjà, au point que même le président syndicat Serge Albert est blessé. Nous avons demandé au président privé prendre disposition pour que nous ayons l'autre commission pour réfléchir sur le problème EDH là, tant que renégocier le contrat achat d'énergie au Cap Toupizi, compagnie. Bon côté paye, divers employés dans EDH dénoncent fonctionnement syndical au fait qu'on est qui pas travailler dans l'intérêt de travailler. Employés ont menacé boycotter l'organisation 5e congrès. Si toutefois, pas ta gagne une commission indépendante pour organiser l'élection qui prévoit pour 26, 27, 28 février qui a venu là. Jean-Daniel Merela, c'est un employé EDH qui t'a porté plus de détails dans micro, radio, télé et clair. Nous faisons un meeting dans la cour. C'est dans plein campagne. Nous faisons un meeting. Pour nous faire, pour nous expliquer aux ouvriers ce qui a passé, qui s'allie. Nous avons un congrès pour organiser, ancien membre Festred, que le mandat est fini. Nous avons un congrès pour organiser à toute élection. Nous avons arrangé pour battre le tambour pour danser. C'est nous qui avons fait le congrès, nous avons monté l'équipe, nous avons venu pour faire un coup d'état électoral. Nous dénonçons, nous disons non. Nous pour élection, nous pour congrès. Mais c'est une commission indépendante. Qui pour organiser le congrès, qui pour organiser l'élection. Mais ça seulement. Nous avons juge de paix accompagné nous, policiers et tout bagaille. Qui pour faire constat. Ouvriers ont venu là, ils ont campé pour parler avec même Festred. C'est deux mouns qui ont Jean-Marc Abdoula qui ne sont pas ouvriers derrière. Ils ne sont pas ouvriers derrière. Ils sont coup d'état électoral. Ils viennent pour faire, nous dénoncer. Bon, c'est un après bagaille, ça, on est. Il y a un agitateur. Parlant pile, une tire mais sous l'autre, mais comment balade dégénérer. Oui, mes amis, je suis d'accord avec organiser le congrès, c'est vrai. Mais pour qui ça fait? Pour qui ça fait? Mais ça, nous besoin. Nous avons besoin d'une commission indépendante qui va organiser le congrès seulement. Ce n'est pas eux-mêmes qui vont battre un bouillon pour le danser. Mais comment vous avez un congrès à fait? C'est mais si cadre n'a compagnie a invité, il pas invité au grand employé. C'est cadre, c'est pour les cadre invité. Oui. C'est ça la dénoncer à la seulement. Oui. Nous disons oui, nous, oui congrès. Mais faut son bagage démocratique qui vous fait. C'est ça seulement la bagaille. N'a continué avec information pour nous faire connait sénateur Latif Bonitlan Karl Murat Kantaf dénoncer sécheresse, il déclarer qu'à valer terrain dans département sénateur Karl Murat Kantaf mandé pour l'état haïtien prend bon gens disposition pour aider population la Tibonite l'en fait échec avec phénomène sécheresse là, car le Murat Kantaf, c'est sénateur la Tibonite l'en qui t'a porté plus précision dans le micro, collaborateur nous Jean-Sony Lemay. Je suis au courant de ces informations. C'est pourquoi je mets de côté un tantinet la politique, je donne un répit à la politique, je rapporte un peu la politique, un tantinet pour me mobiliser autour de ce problème qu'il y a au niveau de mon département.
effectivement, il y a eu des manifestations au niveau de plusieurs communes de la vallée de l'Antibonite. C'est le cas à l'Esther, c'est le cas du côté de Grand-Édune, c'est le cas aussi du côté de Grande-Saline, qui sont des communes de la vallée de l'Antibonite. Il y a un problème qui se pose. Je suis interpellé par ce problème, le problème de sécheresse au niveau du département de l'Antibonite. Or, nous connaissons que le département de l'Antibonite sont département, je dirais, particulier, en ce sens que c'est grenier pays a en termes de production agricole. Or, nous connaissons que pour gagner, je dirais, production agricole, nous gagnons plusieurs éléments que nous avons besoin. Nous avons besoin de la terre, nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin des canaux d'irrigation, nous avons besoin de semences, nous avons besoin d'engrais, nous avons besoin d'équipements et matériels, et nos besoins crédit agricole. Mais dans le cas qui posait aujourd'hui là, au niveau du département de l'Antibonite, je viens de m'informer, il y a un problème d'eau, n'est-ce pas aussi? Il y a un problème d'oblitération, d'obstruction des canaux d'irrigation. Et ce sont des problèmes, je dirais, cruciaux qu'il y ait, des problèmes qu'il faut célèrement adresser, des problèmes qu'il faut adresser, je dirais, en urgence. Pourquoi? Parce que c'est bagage qui bagatonne. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai eu, dans le cadre de recherche de solutions à ce problème, j'ai eu une assise avec le Premier ministre Evans Paul, dans le nom électoral, non, et m'ont demandé au Premier ministre pour prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour que ce problème soit célèrement adressé, pour que ce problème soit dans l'urgence adressé. Et je suis au courant, entre-temps, qu'il y a le ministre de l'Agriculture, il y a aussi le directeur général de l'ODVA, c'est... Deux personnages sont invités à rencontrer le Premier ministre demain et je serai là aussi pour pouvoir ensemble, au niveau de cette assise, adresser ce problème et voir quelle est la solution à apporter. Voilà. Dans le pays, Lord Bordeaux, président américain Barack Obama, a annoncé qu'il prend décision pour fermer prison Guantanamo selon... Président Obama, depuis plusieurs années, prison par jouer colli comme ça l'aura dans sa qui gagne pour un renforcement sécurité nationale pays les États-Unis. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Depuis plusieurs années, il est clair que le centre de détention de Guantanamo ne fait pas avancer notre sécurité nationale. Il l'affaiblit. C'est contre-productif dans notre lutte contre les terroristes parce qu'ils l'utilisent comme propagande pour recruter. La prison épuise aussi les ressources militaires avec près de 450 millions de dollars dépensés l'année dernière pour la faire tourner et 200 millions de plus pour la garder ouverte pour moins de 100 détenus. Voilà, cela nous mettait fin à la deuxième sortie journal nous pour ce maintenant, mais avant nous partir, nous rappeler quelques principales informations qui tapent dominé l'actualité. Député Mire Balair, Bouc-Nakaria, Décolline, Abel, dit déplorer incident qui est produit week-end passé à côté de Nekaxam. Personne n'est arrivé identifié, attaqué à Jean Douani, à Kajan, PNH en Belader. Parlementaire a dit tout les déplorer, intervention force audio, phénomène en population zone à côté. Incident produit à sous prétexte et au même qui est à la base. Ainsi, dans ça, Décolin Abel qui demandait pour qu'il y ait une enquête qui l'ouvrit sur le drame, ça fait qu'on est. Population pas gagné pour AXA qui produit week-end passé à qui la cause. Il y a plusieurs victimes dans les camps policiers et agents douaniers. Maslin Jean-Philippe Josette Jean-Dor, celui-ci de personnalité, monde syndical haïtien, a confirmé. L'est déjà désigné pour le représenter dans le cadre de formation prochain KEPA selon. Porte-parole monde syndical haïtien Jacques Anderson de Roche, alors que pour le secteur vaudois, c'est Jean-Richard Joseph et Primambo, la merci Charles Pierre, selon dirigeant Confédération nationale vaudoisant haïtien Evroni Georges Auguste. Sénateur Lati Bonif Nankal Murakantav dénoncé sécheresse, les déclarés Cap Valetéré en mi-temps. Population Lati Bonif, le sénateur Carl Murakantav, mandé pour l'État haïtien. Prend bon genre disposition pour aider la population de la Tibonite fait échec avec le phénomène sécheresse. Dans le pays de Bordeaux, le président américain Barack Obama a annoncé qu'il fermait une prison Guantanamo. Selon le président Barack Obama, depuis plusieurs années, prison n'a pas joué comme ça doit. Dans sa qui gagne pour
avec renforcement sécurité nationale. La principale information à divers lots qui t'est fait essentiel. Deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.